Excusez-moi, vous êtes le Père Noël ? Bien joué. Mais vous êtes pas censé travailler ce soir ? À quoi bon ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez pas été sage cette année ? Vous aurez pas de cadeau ? Pardon. Non mais ça, qu'est-ce qui vous arrive sans vouloir être indiscret ? Ça vous fait plus kiffer, les gamins ? Les cadeaux ? Le foie gras ? Les films de Noël à la con ? Putain, Père Noël, vous faisiez moins la gueule d'un pub Coca-Cola. Non mais déjà, eux, je les emmerde. Sérieusement, j'ai une gueule à boire cette merde. Faut être complètement con pour boire un truc qui nettoie des chiottes. Puis deuxièmement, je m'appelle pas Père Noël. Mon vrai nom, c'est Nicolas. Prénom Nicolas, nom de famille, Saint. Mais alors forcément, Monsieur Saint, ça sonne du cul. Puis y a pas que ça, ça c'est un détail. Non, c'est un tout, c'est... Non mais allez-y, lâchez-vous, on est entre nous, là. Tiens, bah les gosses, par exemple. Tous pourris gâtés, là. Moi, quand j'ai commencé, c'était 2-3 cadeaux par-ci, par-là. Hein, une orange, du chocolat, à la limite des jouets en bois. Mais maintenant, avec leur connerie de catalogue de Noël à la con, je me tape des listes à rallonge. Puis c'est toujours les petits trous du cul qui commandent le plus. Hein. Ils me prennent pour leur esclave ou quoi ? Putain ! Puis mes hutins, ils sont gentils, mais c'est pas des flèches. Hein. Non, ils savent suivre un plan Ikea, mais bon, compte pas sur eux pour te faire un iPhone 10 ou un écran LED incurvé. Hein. Pff, ils panent rien. Ben ouais. Avant, on fabriquait des jeux toute l'année. C'était un taf à plein temps. Parfois, c'était même short niveau timing. Mais mes gars, ils ont pas un rendement de chinois. Hein. Faut pas rêver. Parce que eux, là, leur niveau, là, c'est de la vraie magie, là. Hein. Alors, du coup, j'ai dû foutre mes gars à la porte. Puis maintenant, bah, je suis prestataire en livraison uniquement le 25 décembre. Donc, autant dire que je sais pas comment je fais pour être un gros porc comme ça, là. Je me dégoûte, on dirait un intermittent. Là. Oh, mais non, soyez pas si dur avec vous-même. Les gens vous aiment encore. Vous êtes le symbole de la paix, du partage. Oui, mon cul. Et vos lutins, ils sont devenus quoi ? Oh, t'en fais pas pour eux. La moitié s'est reconvertie dans le ciné ou la télé. Ils ont fait les cons dans Seigneur de mes couilles, Harry Potter, Star Wars, les Ewoks à la con, Jawa de merde, là. Tiens, tu vois, Fort Boyard ? Bah, la moitié du staff bossait pour moi à l'époque. Oh oui ! Bah, ça va, ils s'en sont bien sortis. Non, non, non. Jamais tu chantes ça devant moi, tu m'entends jamais. Mais calmez-vous, qu'est-ce qui vous prend? Je sais même pas pourquoi j'ai ça en tête. C'est quoi ça déjà? C'est la musique du numéro de mon putain de standard. Parce qu'à l'époque, je répondais à toutes les lettres, même aux plus longues, je répondais. Mais j'allais pas encore assez vite. Alors du coup, ils ont mis en place un numéro pour me joindre. Enfin, pour me harceler. Donc j'ai dû prendre une secrétaire. Cathy, qu'elle s'appelait. Elle était conne. Elle s'est barrée avec l'autre compte Peter Dinklage, mon ancien DRH. Enfin, maintenant, toutes ces conneries, c'est terminé. S'ils veulent me joindre, c'est Facebook, Twitter, Instagram. Puis de toute façon, même ça, je m'en fous, alors. Ah ouais, ça vous a vraiment pas aidé, le 21e siècle, hein. Et sinon, je voulais vous demander, Père Noël. Monsieur Saint ! C'est pas compliqué, bordel ! Oui, pardon. Monsieur Saint. Enfin, je voulais vous demander, la Mère Noël, enfin, votre femme, elle existe vraiment ? Mais un peu qu'il existe, cette emmerdeuse. Ah, ça c'était un cadeau. Ça c'était un cadeau. Pourtant ça avait l'air d'aller entre vous. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Eh ben non, ça allait pas. Figure-toi que quand la boîte s'est cassée la gueule, elle a demandé le divorce, elle a pris la moitié de ce que j'avais. Et elle s'est barrée avec Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Le vrai nouveau Père Noël. Bon allez, je vous en remets un petit dernier. Oui, merci. C'est dégueulasse ton truc, là. Je vous dois combien, là? Rien du tout. C'est la maison qui offre. Eh bien, c'est vraiment Noël, hein. Bon, allez. Bon, allez. Bonne fête de Noël, monsieur Saint. Merci pour tout. Et surtout, essayez de pas trop déprimer, hein. De toute façon, j'aurais dû faire comme mon frère, option fouettard. Il me dit toujours, Nico, c'est beaucoup plus simple de fouetter des gamins que leur faire plaisir. Ah bah ça, je vous fais pas dire. Justement, moi, avec mon fils, là, le petit... Non, mais je m'en fous. Je m'en fous.
Ouais, gros. Tu savais qui j'étais, là? Le Père Noël. Je te jure, le Père Noël. Attends. Ouais, pardon. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Peter Dinklage, avant d'être dans Game of Thrones, c'était son DRH. Tu te rends compte, ça? C'était son DRH. Hier soir, à 23h30, en plein centre de Paris, le Père Noël, de son vrai nom Nicolas Saint, est décédé à la suite d'un accident de traîneau. Un poids lourd l'aurait subitement renversé en sortant d'un bar. Yes, honey, I'm coming. Une nouvelle qui attristera les petits comme les grands. Bon débarras. Le symbole de la paix et du partage s'est éteint à la... Gros porve.